Entre les murs ayant essuyé les guerres, Blaye, la citadelle de l'estuaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode Village et Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons aller à la citadelle de Blaye, cette fameuse citadelle qui a vécu beaucoup de guerres, qui aujourd'hui il n'en reste plus que des ruines, mais elle est toujours présente et je vais vous la présenter. Donc on est parti. Le soleil n'est pas encore tout à fait levé, il est en train de se lever. J'ai pas encore ressenti des rayons de soleil. Et donc là, je me balade en dessous de la citadelle, sur le chemin entre les murailles et l'estuaire. C'est un joli petit chemin, juste à côté des falaises. C'est bien sympa. Donc là, j'attends que le soleil se lève pour pouvoir faire des jolies petites prises de vue, des plans assez artistiques. Mais bon, en attendant, je me balade. Bon, j'ai quitté les falaises, puis là, on se dirige vers des ruines d'une ancienne abbaye, l'ancienne abbaye Saint-Romain, qui est aujourd'hui disparue, mais il en reste quelques ruines. Vous allez voir ça. Je vais faire quelques petits plans. Et d'ailleurs, c'est la seule abbaye de Blaye, malheureusement. Et elle a été détruite. Thank you.
les images. Et ce que vous voyez, c'est ça a une forme humaine. C'est tout simplement une tombe. Une ancienne tombe. Bon, il n'y a plus de corps dedans, bien entendu. Mais c'était une tombe qui était présente dans l'église. D'ailleurs, il y en avait d'autres à côté. Je ne vous ai pas montré parce qu'elles n'étaient pas en très bon état. Donc, enfin, forcément, dans une église ou à côté d'une église, faut s'en douter. Je pense que vous vous en doutez, c'est un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Forcément, c'est un site de 30 hectares, donc c'est assez important. Ça a été construit par Vauban en 1600 et quelques, je mets la date sur l'image. Donc c'est un site très important pour contrôler l'estuaire, notamment. Et d'ailleurs, sa forme est assez particulière puisque la citadelle est construite en forme d'étoile. C'était une technique de Vauban. C'est beau au petit matin. Le soleil s'est enfin levé, donc le temps commence à se réchauffer. Il fait quand même très froid. Hein. Même en journée, on va pas dépasser les 2 degrés aujourd'hui. Ça caille quand même, mais bon, avec un bon coup de soleil, ça fait du bien. Alors c'est un site qui n'est pas payant. On peut y entrer gratuitement et puis profiter, comme moi aujourd'hui, d'un beau soleil pour se promener à travers les ruines. Bon, je me promène dans les douves. C'est assez sympa comme lieu à visiter quand même. Il y a pas mal d'espace et puis c'est vrai qu'avec ce soleil c'est agréable de se balader. Alors je suis pas sûr que ça mène quelque part ici. En tout cas il y a des grilles. Je suis pas sûr qu'on puisse continuer notre route. Passer. C'est grand, c'est très grand. Donc là, on arrive sur la porte royale, la porte principale de la citadelle. Elle est belle. Bien entendu, mais la citadelle. C'est pas que en surface, c'est aussi dans les souterrains. Alors malheureusement, il faut payer pour avoir une visite guidée des souterrains. Mais voilà, il faut, comme là, c'est une entrée du souterrain. On ne peut pas y accéder tout seul.
faut aller à l'office de tourisme faire la visite guidée. Et donc là, on est arrivé à la poudrière. On vient de passer les canons. Il y a deux canons, dont un boulet est resté dedans. Et là, on est à la poudrière. Alors, je ne peux pas rentrer dedans pour l'instant parce que faut y aller en visite guidée. Je peux accéder. Donc là, vous voyez la poudrière derrière moi. Et là, j'accède à un joli point de vue. Je vais vous montrer ça. Et donc là, ben, on voit tout l'ensemble, et ça c'est la poudrière. Les remparts, les tours, là où se promenait l'artillerie, je pense. Donc ça surplombe Blaye, juste là, toute la ville de Blaye. Et là, on arrive au-dessus de l'hôpital de siège. Donc, vous avez certainement vu les images. Mais si vous voulez que dans un prochain épisode on visite ensemble les souterrains, et ben vous me le dites dans les commentaires, que ce soit sur ma page Facebook ou ailleurs, hein, vous me le dites, et puis je ferai un épisode sur les souterrains de la citadelle de Blaye. Donc je me suis installé avec ma caméra pour faire un time lapse du coucher de soleil. En tout cas, vous pouvez voir que
Le soleil est bien là. Il n'y a pas de nuages quasiment. Bon, il fait un peu froid quand même. C'est pas top top.